Yahweh, Yahweh, bate la nuit topo. Yahweh, Yahweh, béni sa nipo. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonne condition des suivis. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a finalement mis la main sur l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'est mardi 13 juillet 2021. Les technocrates passent sa première nuit sous mandat d'arrêt provisoire quelques jours après la levée de ses immunités parlementaires par les bureaux du Sénat. Il est donc poursuivi pour détournement d'une somme d'ordre de 110 millions de dollars américains et puis de 27 millions d'euros alloués à la zarianisation, selon le premier réquisitoire du procureur général Augustin Matata Ponyo, est également trempé dans le détournement de plusieurs milliers de dollars destinés au parc agro-industriel appelé Bukanga Nalonzo. Les détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tenu de la réunion d'évaluation mensuelle sur la marche de Mabanière Télévision et de Mabanière FM par le directeur général de cette entreprise de presse, le docteur Antoine Yoba Yoba, c'est mardi 13 juillet 2021. Suivez. Comme il en est de coutume, les agents et cadres de Mabanière Télévision et de Mabanière FM se sont réunis autour du directeur général de cette maison de presse ce mardi 13 juillet 2021 pour une réunion d'évaluation mensuelle de la marche de la dite entreprise. Dans son speech, le directeur général, Dr. Antoine Yoba Yoba, a motivé ses agents à continuer de faire un travail de qualité pour garder les caps. S'en est suivi l'audition des rapports des différents services, notamment la technique, la rédaction, le commercial et tant d'autres pour ne citer que ceux-là. Soucié de l'épanouissement et progrès de Mabanière Télévision et FM, le patron de cette entreprise a remis officiellement un lot important de matériel technique constitué essentiellement des caméras professionnelles de marque Canon DSLR 72 et 600D, des ordinateurs laptop, micro sans fil et autres matériels pour permettre la bonne marche de l'entreprise afin d'atteindre le sommet. Revenons sur la tenue des épreuves hors session de l'Exeta édition 2021 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. La province du Congo central a été choisie par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour le lancement officiel de ces épreuves. La province du Congo central et précisément la cité de Mbanzangungu est le lieu choisi cette année pour le lancement officiel des épreuves de hors session de l'Exeta édition 2021 par le ministre national de l'éducation primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui motive ses choix par le climat apaisé qui règne dans la province. Ici, les problèmes ne se posent pas. Toutes les instructions qui sont sécrétées au niveau national sont et respecté ici à la lettre, et ceci, ça a été pour nous un honneur parce que la vision du chef de l'État est vraiment suivie à la lettre. Tous les objectifs, voulais-je dire, que nous sommes assignés, même les instructions données, sont observées également ici. Alors, puisque le Congo central nous a fait honneur, nous avons voulu arroser l'arroseur. C'est comme ça que nous sommes là également pour faire honneur au Congo central et les encourager à poursuivre sur cet élan. Accompagné du gouverneur de province Atumatubwana Nkuluki et de quelques autorités politico-administratives, les chefs de l'exécutif provincial saluent l'engagement du chef de l'État dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir décidé la gratuité de l'enseignement. Ici est de noter que pour cette année, au total 43 766 élèves finalistes du secondaire au Congo central ont pris part à ces examens.
Changeons de chapitre pour parler tout à fait autre chose dans cette grande édition du journal. Tête à tête, c'est mardi 13 juillet entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayi Chimiyé, respectivement président de la République démocratique du Congo et celle de la République de Burundi. Plusieurs points étaient au centre de leurs échanges, notamment des questions d'intérêt commun, des sujets d'ordre sécuritaire sur la frontière commune et la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux États. Marie-France Ebengo. C'est depuis le lundi 12 juillet soir que Évariste Ndayi Chimiyé, président de la République du Burundi, et sa délégation ont foulé le sol congolais via l'aéroport international de Ndjili, où ils ont été accueillis par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Ce mardi 13 juillet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accueilli officiellement son homologue burundais au Palais de la Nation. Après avoir reçu les honneurs militaires, les deux chefs d'État se sont dirigés dans le bureau diplomatique pour s'entretenir. Des questions d'intérêt commun et la signature de plusieurs accords de coopération, dont les mémorandums d'entente concernant le projet conjoint de développement d'un chemin de fer à écartement standard au visa Musongati, Kitega, Bujumbura, Kindu, étaient au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayi Chimiyé. Rappelons qu'il y a deux semaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait reçu, lors de son séjour dans la ville de Goma, le ministre des Affaires étrangères du Burundi. Ce dernier avait fait part de la volonté de son gouvernement de redynamiser les relations bilatérales entre Kinshasa et Bujumbura. Investi il y a un an à la présidence de son pays, le président burundais Évariste Ndayi Chimiyé effectue sa toute première visite d'État en RDC. La proposition de loi du docteur Noël Tsiani pour verrouiller l'accès à la présidence de la République, autorisant seulement les Congolais de père et de mère à briguer cette haute fonction, fait couler encre et salive. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi promet de quitter l'Union sacrée une fois ces sujets inscrits dans les calendriers des travaux de l'Assemblée nationale. Suivi à ces sujets, Fiston Lutonadio, chargé de communication de ces partis politiques ici au Congo central. Nous, au niveau des Ensemble pour la République, nous ne pouvons pas accepter une initiative allant à réduire le chance des Congolais d'avoir un développement. Et cette proposition de loi déposée par l'honorable Ntsingi Pululu, proposée par Noël Tshiani, c'est une proposition de loi qui est anticonstitutionnelle. C'est pour cela même que Pululu va proposer même la révision de la Constitution. Il ne faut pas seulement parler de la loi Tshiani, mais il y a aussi la révision constitutionnelle qui est prévue dans cette initiative. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on puisse priver les Congolais d'un pouvoir légitime qui est de se choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Et cette loi vise à réduire d'autres prérogatives au souverain primaire. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc l'ensemble ne voit pas ça comme un combat d'ensemble, mais c'est un combat pour la population, c'est pour le peuple, parce que le peuple est souverain. Il est le seul détenteur de ce pouvoir. On ne peut pas le lui arracher par un messie américain, qu'il soit ou congolais, on ne sait pas parce qu'il en a deux. Hein. Il suffit qu'on puisse inscrire cette loi sur le projet de l'ordre du jour de la session de septembre, et bien, nous, ensemble, nous allons quitter l'Union sacrée. Et ça sera la fin de cette majorité de l'Union sacrée. Ça sera la fin, parce qu'il y aura une nouvelle majorité qui va se définir à l'Assemblée. Et nous ne pouvons pas faire route ensemble avec deux hypocrites. Soit on est ensemble, soit on n'est le pas. Dès que nous quittons, c'est fini. Et nous allons refaire la majorité et nous aurons un gouvernement qui va nous amener aux élections 2023. Un nouveau gouvernement, pas un gouvernement de l'Union sacrée.
Enfin, Disport, pour clore complètement cette édition du journal, les calendriers de la tenue des assemblées générales ordinaires des clubs pour l'évaluation de la saison sportive qui vient d'être clôturée et la projection de la prochaine saison est déjà dévoilée par l'entente urbaine de football des Matadi FMAT. Suivez à ces sujets Elfa Nzinga, exécutif. Secrétaire exécutif de cette instance qui s'est exprimé devant la caméra de James Ngoui. C'est bien écrit. La saison commence le 1er août et prend fin le 31 mai. À partir du 1er juin, maintenant, c'est l'intersaison. Or, c'est pendant l'intersaison où on doit maintenant tenir les assemblées. Nous sommes dans le texte. Donc, c'est le moment précis pour tenir les assemblées. Ce n'est pas une affaire remontée de toutes pièces, mais c'est dans les textes. Le samedi 17, c'est la date du début des assemblées de clubs. Alors l'entente urbaine de football de Matadi, conformément aux résolutions de la Ligue, ne va pas accepter les reports. Les clubs sont appelés à pouvoir tenir leurs assemblées. J'appelle aux dirigeants sportifs de pouvoir respecter les textes. Les assemblées vont débuter le samedi et on va s'arrêter jusqu'au 31 juillet. Le club qui ne va pas tenir son assemblée avant le 31 va la tenir après l'assemblée de l'EFMAT, après notre assemblée. Maintenant, dans ce cas-là, ce club-là ne sera pas membre de notre assemblée. Chers dirigeants sportifs, soyez prudents, tenez vos assemblées. Nous savons très bien que le mois d'hier, il faut encore respecter les gestes barrières. Avant d'entrer dans la salle, lavage des mains et du savon. Deux, il faut respecter la distance de 2 mètres. Trois, il faut porter les masques. Et quatre, ne dépassez même pas 20 personnes dans la salle. Ici prend fin cette grande édition du journal. Vous étiez nombreux à les suivre. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Et restez branchés sur les antennes de Mabanière Télévision et de Mabanière FM pour être mieux informés. Au revoir.